AirDrive, un casque pas comme les autres, issu d'une nouvelle technologie, l'innovation du son par GoSens. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je rentre tout juste d'un salon et dans ce salon, le salon Handica Lyon, un salon donc qui s'est passé à Lyon pendant 3 jours et j'ai donc rencontré la société GoSens et j'ai rencontré le président qui est monsieur donc Hugues de Chaumont qui m'a montré vraiment un produit très révolutionnaire, un casque plus exactement. Vous l'avez ici dans son emballage d'origine. On va faire ensemble le déballage de ce casque et voir ce que ce casque apporte ou peut apporter à notre vie quotidienne. Ce casque, c'est donc le AirDrive. Et nous allons tout de suite faire ensemble le déballage et voir toutes les spécificités de ce casque. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout et à tout de suite pour la démo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les AirDrives? C'est une boîte. Ici, comme d'habitude, que l'on a sur le bureau, qui est ronde et qui renferme donc les AirDrives correctement rangés. On va ouvrir donc cette boîte. Et on va arriver tout de suite sur le package du casque en lui-même, les oreillettes, ici, que je vous mets en très gros. Alors, ce casque est compatible toute plateforme, Android, iOS, Windows. Ce casque possède donc une prise jack pour tout appareil comportant un port jack. Idem pour l'iPhone 7 Plus ou l'iPhone 7. Vous allez pouvoir mettre l'adaptateur Lightning, bien sûr, sans problème. On sort le casque. Voilà, on a donc le casque ici que je vous remontre en gros. Avec, comme je vous l'expliquais, la prise jack qui a une forme un peu particulière, qui fait un angle un peu particulier, qui permettra de décrocher correctement votre prise de votre smartphone. Si on suit le câble, on tombe sur une télécommande qui va posséder une petite barrette, un curseur qui va permettre de régler le son de votre musique, de votre GPS ou de votre synthèse vocale que vous aurez dans votre smartphone. Juste au-dessus, on va avoir un petit bouton qui, lui, vous allez voir dans le reste de la vidéo, qui va vraiment servir à beaucoup de choses. Alors, comme je vous disais, le bouton au-dessus de la petite barrette de réglage du son, ce bouton va servir à plusieurs choses. Premièrement, lors d'un appel, un appui court, vous allez décrocher l'appel et raccrocher l'appel. Ensuite, vous allez, avec là aussi un appui court, déclencher la musique. Vous allez pouvoir donc faire lecture pause lorsque vous allez appuyer rapidement dessus. Ensuite, lorsque vous ferez un appui long sur ce bouton, on va, comme vous voyez ici, déclencher Siri. Et lorsque vous allez faire un double appui et que la musique sera lancée, vous allez avancer dans les plages et un triple tap sur le bouton, vous allez pouvoir donc reculer dans les plages. Alors cette télécommande reliée aux AirDrive est vraiment très efficace. Elle est donc très ergonomique et là vous allez vraiment pouvoir gérer votre smartphone simplement, comme son nom l'indique, par cette télécommande. Juste au-dessus, ici, vous pouvez voir que on aura un bout de la télécommande qui se détache pour aller justement régler au niveau du cou l'écartement du casque. Une fois le AirDrive complètement enlevé de sa boîte, voilà ce que l'on rencontre par rapport à chaque écouteur. Il est très particulier ce casque, car il ne sera pas intra-auriculaire, mais il va se positionner devant votre oreille pour justement laisser vos tympans, laisser les bruits environnementaux passer et vous allez pouvoir profiter à fond de votre musique, de votre GPS, de toutes les informations que vous avez au niveau par exemple du téléphone
lorsque vous avez une conversation, énormément prisé par les sportifs, sur un showroom, sur une plateforme d'accueil. C'est un casque qui peut vraiment servir pour beaucoup d'actions dans le monde du travail, dans la vie quotidienne, au niveau des sportifs. Ce casque un peu particulier va aussi, je pense, servir à une catégorie de personnes qui est les personnes malvoyantes. Car nous, en tant que malvoyants, on a beaucoup de difficultés avec aujourd'hui les GPS ou autres qui nous obligent à mettre des casques intra-auriculaires. Ceci nous bouche en fait l'audition. On est concentré sur le son de ce GPS et la problématique, on est en danger. On n'écoute pas les bruits environnementaux. Alors, les AirDrive, voici ici le câble en fait qui est le contour du pavillon de l'oreille. Ici, pour venir le placer, on vient simplement mettre le câble derrière, qui en fait on entoure le pavillon de l'oreille, et comme vous voyez ici, on a l'AirDrive qui est devant l'oreille, et on va tout simplement, comme un nœud glissant, resserrer notre oreille, ce qui veut dire que ici on voit que notre oreille est complètement entourée, et grâce à ceci on va pouvoir par exemple faire du scooter, faire de la moto. On va pouvoir faire du sport. Le son passe devant l'oreille. Alors, ce n'est pas un son à conduction osseuse. L'AirDrive qui transmet le son sans boucher le conduit auditif. Et en plus, comme vous pouvez voir, on va pouvoir avoir une conversation téléphonique tout en ayant notre AirDrive sur notre oreille. C'est un casque qui est tout terrain. C'est un casque qui va vraiment être adapté pour toutes les situations. Ici, je vais vous mettre la deuxième oreillette. Et voici donc, avec les deux oreilles, comment on se retrouve avec les AirDrive. On a les deux oreilles prises de chaque côté. Et comme vous voyez, on n'est gêné en rien. Et en plus, si on tire, vous voyez que il tient correctement. Et cela va éviter aussi, par rapport aux bruits environnementaux de la ville, les deux oreilles sont libres, on va pouvoir marcher tranquillement tout en écoutant derrière, devant nous, sur les côtés, si un danger se présente. Ce qui est vraiment très appréciable. Vous allez donc pouvoir vous servir des AirDrive dans toutes les situations possibles. Au niveau GPS, au niveau déplacement, dans un open space, vous allez vraiment faire plein de choses avec vos AirDrive. D'ailleurs, la société GoSense a développé un logiciel iOS pour iPhone, le WheezyGo. Je vais vous faire une vidéo sur ce logiciel et je vous mettrai tous les liens qui concernent donc les AirDrive. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !